Les travaux de la vigne sont terminés. Les vignerons ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour produire une vendange saine. Ils croisent les doigts pour la suite. Et tu vois, ça c'est joli. Le raisin est bien sorti et quand même caché du soleil, ça c'est vrai. Gérard Dorsa a passé une saison riche en émotions. En plus des travaux habituels de la vigne, il a construit une nouvelle cave. J'en ai rêvé depuis les débuts de ma vie de vigneron. Ça peut enfin se concrétiser. Voici l'histoire de Gérard Dorsa, de la cave du même nom. Tu vois, 80 mètres carrés de local d'accueil client, plus encore 80 mètres carrés de terrasse. On sent déjà qu'il y a très peu de jus à l'intérieur. Pendant que la cave se construit, le vigneron est aux vendanges de l'année dernière, au cœur de ses 5 hectares de vignes en terrasse. J'ai été bercé dans l'agriculture depuis que je suis né. Mes parents avaient une exploitation de polyculture, on va dire. Ils avaient du bétail, ils avaient des arbres fruitiers, de la vigne, des cultures maraîchères. La vigne, pour moi, c'était la culture qui me plaisait le plus, quoi. Tu vois ça? C'est ça qu'il faut enlever. On a déjà un petit peu d'attaque de la mouche Suzuki. Ici, on a la musique avec. C'est bien. J'avais des problèmes de dos. J'ai tout le temps mal au dos. La vigne, ça me semblait plutôt de la gymnastique, puisqu'on fait tous les travaux à la main et tout. C'était plutôt de se baisser, se relever, de lever les bras, de cisailler. Tac. Voilà, c'était. Alors je me disais, tiens, ben, la gymnastique, bouger, ça me faisait du bien. J'aimais le coteau, j'aimais arpenter les vignes et tout ça. Après un premier apprentissage d'employé de commerce, Gérard est vite revenu à la vigne, à ses premiers amours. Il a fait un deuxième apprentissage de vigneron et a commencé à travailler chez Ulysse Munier comme maitral. Jusqu'au jour où ce vigneron de Martigny me dit « Écoute, Gérard, moi je n'ai pas de succession, j'ai fait une cave, regarde, j'ai investi tout, c'est joli ». J'aimerais bien que cela perdure et j'aimerais bien que ce soit toi qui reprennes ça. Je te fais un pont d'or, il me rappelle ses mots. Lui faisait 15 000 bouteilles, puis moi je suis arrivé à 40 000 bouteilles avec les mêmes locaux, le même matériel. Donc ça s'est carrément imposé pour moi de trouver un nouveau lieu pour faire mon vin. Écoute, je vendange mon pinot à grue. Et on commence à trouver pas mal de Suzuki, hein. Alors, je te rends attentif, vu que t'as le pinot juste au-dessous. Ouais. Les vendanges sont passées, la construction de la cave avance. Un projet auquel son fils Julian et son neveu Bastien sont associés. Sans oublier sa compagne Sandra. Ici, il y aura des escaliers en fer qui vont monter jusque-là. Là-dessus sera le bureau. Ici, on est dans la cuverie. On est quasi à 6 mètres de haut. C'est une cuverie, on peut déjà y placer le matériel existant. L'accès pour handicapés se fera depuis là-bas. Comme pour tout le monde, il y aura une jolie rampe, pas très pentue. On aura des baies vitrées qui vont jusqu'en haut, là. Donc, on a vraiment la vue sur cette belle plaine du Rhône et sur les montagnes. Les entreprises sont donc au courant du délai. J'aurais donné un délai au 31 janvier pour avoir terminé. Mon idée, c'est d'effectuer les mises en bouteille ici. Comme ça, on fait les mises en bouteille et on stocke direct ici. On se réjouit parce que ça fait 25 ans que je travaille dans des locaux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus possible vu le développement qu'a pris la cave. J'ai quand même 58 ans. Je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable d'investir autant à cet âge. Mais j'ai la chance d'avoir mon neveu et mon fils avec qui j'ai causé. Puis je leur ai dit, si vous voulez faire vraiment de ce métier le vôtre, on a cette opportunité, c'est maintenant, il faut construire. Et ils m'ont dit tous les deux oui. Donc quelque part, bien, leur oui m'a permis à moi de réaliser mon rêve. Et puis eux, bien... pourront profiter par la suite d'un magnifique outil de travail.
quand je viens ici maintenant, je ne regarde même plus la construction. Je dis, mais non, le bleu, mais dans quel environnement, ça, c'est vraiment super. Magnifique vignoble en terrasse, là, la forêt, on a la montagne jusqu'au-dessus. Là, depuis ici, c'est hyper facile d'organiser des promenades. Il y a plein de trucs à expliquer. La ravine, la châtaigneraie, les murs en pierre sèche et tout. Pendant que le rêve de celui qu'on surnomme Babar prend forme, le travail continue. L'homme est engagé. Als Wein im rechten Glas haben wir für Sie Ma Petite Arvin von Gérard Ossard. Au fil des ans, il a su fédérer à Fuilly, autour des grands crus, autour de la Petite Arvin. Aujourd'hui, l'appellation est présentée à Zurich, à l'hôtel Borolac, par le meilleur sommelier du monde 2019. Dieser Wein lag 11 Monate auf der Feinhefe. Das heißt wirklich was sehr Strukturelles, was sehr, finde ich, Zupackendes am Gaumen dadurch. Und er selbst sagt, der Wein ist perfekt im dritten Jahr. Also sprich genau dann, wenn wir ihn jetzt trinken. Fuilly, c'est le coteau le plus abrupt, le plus escarpé du Valais. C'est certainement la viticulture la plus difficile. Pour aller travailler des cévines, il faut de la volonté. Ich gebe jetzt das Mikrofon an Gérard Orsa. Er ist der Präsident von unserer Vereinigung Fuilly Destination Petite Arvin. On le connaît encore peut-être trop comme vin d'apéritif, mais vous voyez maintenant qu'il peut devenir un grand vin de gastronomie, qui peut accompagner déjà de très beaux mets, et puis en plus qui peut devenir un magnifique vin de garde. On a pris conscience maintenant du trésor qu'on avait dans les mains ici avec ce terroir exceptionnel, cette particularité géologique qu'offre le terroir de Fuilly puisqu'il est le seul vignoble sur terroir granitique. Et maintenant, on a appris à faire des vins en respectant ce terroir. La saison avance, la vigne a reçu beaucoup d'eau au printemps. L'équipe a taillé, traité et effeuille désormais. Gérard surveille la pression des maladies. Une masse, faut pas faire un peu le cornalin plutôt. Cornalin, c'est ça. Ouais. On peut attaquer. Parce qu'ici, je dois traiter. On a eu une forte attaque de mildiou sur grappe, alors chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Les feuilles étaient pratiquement pas touchées, par contre, alors les grappes, elles ont ramassé comme il faut. On peut pas se permettre d'avoir de nouveau une année 2021. Économiquement, c'est difficile de se remettre d'une année comme ça. Alors André, on va aller faire cette station. Okay. Hein? André, c'est un peu le responsable de mon équipe d'ouvriers. C'est un Portugais, un vigneron du Douro. Lui-même a une exploitation de 15 hectares de vignes dans le Douro. Toute mon équipe, c'est un peu ses amis, sa famille à lui. C'est tous des vignerons aussi, donc c'est très intéressant de travailler avec eux parce qu'on sait de quoi on parle. Vas-y. Bien qu'ils prennent droit. Ici, on gère 3 hectares d'irrigation ici, à partir d'ici. Allô? Arrête l'eau. Ça coule partout. J'adore ce domaine. Ça s'appelle Domaine de Ravoir, c'est un domaine historique, c'est les plus vieilles vignes de l'Étre. C'était tout planté en gobelet, c'était des vieilles vignes. Et on a complètement refait à neuf en préparant pour la mécanisation, en faisant toutes des banquettes. Le vignoble de Ravoir, c'est Amédée Mathier qui était mon caporal à l'armée. C'est tout bon. Ouais. Ça va, vous êtes... c'est tout bon, c'est-à-dire? Oui, juste on essaye ici. Là, non, mais il ne coule plus? Tout plus, ça va. Ah, tu vois, suffisait de serrer la vis. Un jour, il vient me trouver, il me dit, écoute, Gérard, j'ai racheté un domaine sur les troncs. Est-ce que tu ne voudrais pas, toi, le travailler pour nous? Ça me permettait de pouvoir vinifier mes vins, d'avancer gentiment avec mes bouteilles, puis d'un autre côté, d'avoir la sécurité de travail dont j'étais assuré qu'il était payé en travaillant comme maîtral pour la maison Mathier. Il m'a fait confiance, il m'a dit, toi, tu as le savoir-faire, vas-y,
montre-nous, dis-nous comment tu ferais pour toi. On a vraiment monté ce domaine ensemble. Tu ne peux pas m'empêcher de passer en pleine sur l'autoroute ou en bas sans jeter un coup d'œil. Parce que quelque part, je suis fier du travail qui a été accompli ici. Gérard bichonne ses domaines comme si c'était les siens. C'est beaucoup de responsabilités, mais ça me permet aussi d'investir dans la mécanisation que je peux utiliser également pour mes vignes. Et puis d'avoir monté une jolie équipe d'employés à qui on peut fournir du travail. Parce que si on ne peut pas fournir du travail, c'est difficile de garder une équipe d'année en année. Là, j'ai mon machiniste qui est en train de décimer. Là. Ils ont fini de palisser hier. Donc aujourd'hui, on coupe les bouts. Maintenant, je vais vite aller à Martigny. J'ai mon fils et un de mes employés qui sont en train de charger du vin et des cuves pour les amener à la nouvelle cave de Fuy. Tu sais que t'étais pas né. T'étais pas né quand j'en cavais déjà ici. Alors. C'est ça que je dis que ça fait bizarre de revenir. Ben, tu sais, oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais j'ai aucun regret. 36 ans à la rue du Bourg. Ça fait mal si tu tapes la tête, là. C'est ici, au milieu du bourg de Martigny, que Gérard a vinifié ses vins pendant 25 ans. C'est pas très lourd. Quand on a soulevé, on va la tirer les pieds pour qu'elle se couche. Et on va la sortir. Le vigneron quitte aussi le caveau où il a reçu ses clients durant toutes ces années. Ah, mais s'il fait frais. Un lieu chargé d'histoire. Une page qui se tourne. J'ai connu cette cave en 87. On a fait plus de 20 ans de foire au lard déjà. Ça, c'est la foire historique de la rue du Bourg. Et c'était chaque fois complet, toute la journée. Et après, ça s'est fait sur 2 jours. Et puis on voit arriver ici des gens joyeux. Ça résonne encore ici de rire. Et puis, voilà, il y a des bonnes ondes ici. Je vais fermer la porte pour la dernière fois. Aujourd'hui, on parle de paysage viticole, on parle de no-tourisme. C'est difficile de le faire lorsqu'on est caché sous terre. Ici, on a vraiment une carte postale devant les yeux. Je crois que c'est à ça qu'aspire aujourd'hui le client qui vient à la cave. Et puis, pour moi, personnellement, ben, je crois que j'avais fait mon temps sous terre là-bas. Malgré que c'est des caveaux historiques, alors j'avais aussi l'envie de sortir et voir ce qui se passe à la surface. Juste avant les caves ouvertes, les derniers préparatifs se mettent en place. C'est une page qui se tourne. L'équipe pourra enfin présenter le nouveau lieu à ses clients. Il y a encore tout à faire, mais sinon c'est presque prêt pour pouvoir accueillir les gens. Hein? Toi qui dois appuyer. Ça, tu sais, Bastien, tu sais, du gnagnapou. Ah, vous savez pas ce que c'est. C'est quoi? La musique du gnagnapou. On n'est pas de la même génération. Un coin perdu de montagne, gnagnapou, gnagnapou. Je voulais absolument que la cave soit terminée, que je puisse faire les caves ouvertes. Dans ce lieu, dans ce nouveau lieu, accueillir mes clients ici. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, ça va? On a fini juste pour pouvoir recevoir les gens. Ouais. Ça s'est joué vraiment au jour près, puisque le lundi, on goudronnait la place. Le mardi, on a transféré toute notre palette de vin dans ces nouveaux lieux. Le mercredi, on a nettoyé. Et puis le jeudi, on avait 200 personnes ici. C'était absolument génial. Pendant 2022. À Martigny, j'étais quasi seul comme vigneron. Mais ici, j'ai pu m'apercevoir que le fait d'avoir une communauté de viticulteurs sur Fuy, ça attirait énormément de gens. Alors, Humagne Rouge 2020.
Puis j'ai eu beaucoup de nouveaux clients qui sont passés ici. Pour mon premier jour ici, c'était vraiment encourageant, quoi. C'était parti à fond. Hein. Ah ouais, je pense. Hein. Ouais. C'était un peu tendu, puis maintenant il fait un peu plus frais, les nuits sont fraîches, hein. C'est cool. Ils ont bien grandi. Hein. Ouais. Tu vois là tout juste un grêlon qui est passé, tac. À la mi-juillet, dans les vignes, la grêle est passée. Les dégâts sont importants. À Ravoir, Gérard vient constater l'état des vignes avec son ami Amédée Mathier. Ouais, on a eu la grêle, mais ça va. Mais disons qu'ici, on a des endroits de 10 à 80%, mais voilà, bon, allez, je veux pas me plaindre, on aura quand même du raisin, quoi. Hey, santé. Merci. Par exemple, là, je sais, sur une vigne, j'ai du 80%. 100 mètres plus loin, il n'y a quasi aucun grêlon qui est tombé. Et puis, de nouveau, 100 mètres plus loin, c'est de nouveau ravagé. C'est très rafraîchissant comme vin. C'est fait avec le pinot blanc qui est en bas, un petit peu de merlot et le pinot noir du domaine. C'est un métier passionnant, quoi. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est de pouvoir partager le fruit de mon travail avec un client, avec un ami. C'est-à-dire boire le vin qu'on a pu faire et puis en parler. Parce que dans un verre de vin, il y a un liquide, mais dans ce liquide, il y a toute une histoire. Et c'est ça que j'aime raconter et que j'aime faire partager surtout. Le 2 février 1985, premier jour d'école de recrue. Ça va tant. T'étais mon caporal. Ouais, 40 ans qu'on se connaît. Ouais, puis plus de 30 ans qu'on est sur ce domaine. Mais tu vois, c'est une belle amitié. Merci, Gérard. Merci à toi. S'il vous plaît, faites du bruit pour les icônes. Bonjour, monsieur Gillian.